Hey, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Crooked Man. Il y a un peu de pluie et d'orage chez moi et j'ai eu une coupure de courant juste avant. J'espère que ça ne va pas couper en plein milieu de l'enregistrement de mon épisode. On va croiser les doigts. Alors, j'avais un petit small wire et une clé sanglante. Ouais, on ne peut pas lire le tag, alors... J'ai vu quelqu'un qui disait dans les commentaires que je devais peut-être trouver quelque chose pour nettoyer. Je vais voir si le wire pouvait pas me permettre d'ouvrir ça, là. Ah bah si. Oh, un bout de papier avec... Le numéro de cette porte. Enfin, je suppose. J'ai vu aussi, quand j'ai monté l'épisode précédent, que j'avais raté une porte. 4489. 4-4-4-4-4-4-4-4-4-8-9. 4, 4, 8, je fais n'importe quoi, oui je sais c'est... je suis parti dans le sens inverse, oula oula, sauvegarde. On va sauvegarder, voilà c'est parfait. Ce couloir est un peu trop grand. Cette pièce est un peu trop grande. Attendez, je vais tout de suite aller vérifier, si ça se trouve il n'y a rien dedans, mais la salle que j'ai pas vérifiée. Ou celle-là, c'est celle-là. La porte est bloquée, ok donc ça n'a servi à rien. La la la. Bon alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? On va aller visiter là, hop. La salle de bain des femmes. La salle de bain des hommes. C'est un passage, ça? La porte ne s'ouvre pas. Donc ça, c'est pour transporter les patients en urgence. Encore un ascenseur, mais est-ce que c'est le même qu'avant? Je ne crois pas. À toutes les mères qui portent des bébés, arrêtez de les abandonner devant l'hôpital. 6 précieuses vies ont été abandonnées le mois dernier tout seul. Ah mince, c'est ballot. Là, c'est exactement la même chose. Ouh là là, quelle est donc cette pièce? Un journal, écrit probablement par le directeur. J'ai reçu une puzzle box, une boîte de puzzle l'autre jour. Quelque chose de plutôt intéressant, je l'ai ouvert. Ah non, pour la ouvrir, il faut arranger les lettres pour former un mot. Bien sûr, j'ai fait que le mot-clé était mon mot favori. Cette chose irremplaçable qui me... Which always makes me happy... qui me rend toujours heureux lorsque je la dis. En fait, je devrais montrer la boîte à ma fille. Incroyable, quand j'ai montré à ma fille la boîte, la puzzle box, elle a caché toutes les pièces. Mais ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas réellement quelque chose que vous utilisez tous les jours, donc ce n'est pas très grave. Elle m'a donné réellement des indices pour me dire où étaient les bouts de pièces avec les lettres dessus, mais j'en ai pas pu en trouver une. Peut-être quand j'aurai plus de temps, mais plus important. Mais je ne sais pas si je peux gronder ma fille. Ouais, donc j'ai eu un bout de papier avec des indices. Génial. Donc en fait, caché quelque part, il y a des lettres qu'il faudra réarranger pour former un mot d'une chose qui rend très heureux. Et... Oh, il y a quelque chose. Oh, j'en ai trouvé une sans indice, c'est génial. J'ai trouvé un Y. C'est trop cool. Donc là, j'ai un peu les boules parce qu'à un moment donné, il va falloir reformer un mot anglais, genre. Alors, donc là, il y a quelques livres. La famille et la médecine et... La famille moderne. Alors, attendez, on va lire ce bout de papier en question. Oh, punaise. Les fleurs, c'est bien. Donc ça, j'ai trouvé. Lave tes mains. Where do you have lunch? Où est-ce que tu manges? Give me a call, téléphone-moi. Nurse Novat, les infirmières savent ça. Get close to the sky, sois proche du ciel. Oulala, 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 oulala. Ah oui, bah c'est ça. I should get, oui, je dois trouver les 6 pièces d'abord, sinon je ne sais pas comment les réarranger. On s'en tape. Bon alors. Donc on va faire ça dans l'ordre. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, j'ai trouvé une clé pour la salle du counseling. C'est la morgue ou quoi ça? des jolis casiers. Un marteau. Il a l'air très lourd. Je ne veux pas trimballer ça partout. Je devrais peut-être... If I find somewhere to use it. Peut-être que si je trouve quelque part à l'utiliser, je le prendrai alors à ce moment-là ou quelque chose comme ça. Une photocopieuse. Bon, il y a l'air de rien avoir d'autre. C'est quoi ça? C'est un trou? Ah non, c'est un escalier qui descend. L'escalier, il n'a pas de lumière, on voit pas. Donc ça, c'est fermé. Et ça ne s'ouvre pas. The door plate is faded. Ok, donc on ne peut pas lire ce qui est écrit sur cette plaque. A stretcher? C'est quoi un stretcher?
Salle de médecine, de médicaments, je suppose. Alors, deuxième étage. Je sais pas si là. Eh, mais c'est Fluffy! Oui, donc Fluffy, ça veut dire doux, apparemment. Tu es là, Fluffy. Tu sais qu'il ne faut pas se trimballer tout seul. Mais je peux supporter le noir facilement. Je te l'ai dit, je suis un grand garçon. Je ne vais pas crier comme un bébé. Ah, tu as l'air bien brave, Fluffy. Je t'admire pour ça. Vraiment? Oui, tu es aussi brave que Captain America. J'ai plutôt peur de marcher dans le noir. Mais je cherche quelqu'un. Si seulement il y avait quelqu'un ici sur lequel je pourrais faire confiance. Voilà. Juste ma chance. Ok, je vais avec toi, monsieur David. Waouh, vraiment? Eh ben, dis donc, merci. Je me sens en sécurité avec toi ici, Fluffy. Je vais te protéger, monsieur David. Je vais vous protéger. Si ça se trouve, il vous voit en fait. C'est... Nous allons rester ensemble jusqu'à ce que sa mère se montre. Si elle ne se montre pas, on ira au bureau du shérif. Ouais, j'ai un Fluffy dans mon équipe. Oh, regardez, il me suit, c'est génial. J'ai un follower. Ça sert à mesurer la taille. Je me suis mesuré l'autre jour. Je fais 3 pieds de haut. Je sais pas ça fait combien en centimètres, mais... Et toi, monsieur David? Et vous, monsieur David? Je pense que je dois faire environ 6 pieds. Une table d'examen. Quelle idée d'avoir inventé un système métrique à base de pieds. Un stéthoscope. Un stéthoscope. Enfin voilà. Et c'est la chose que le docteur utilise, j'en veux un, qu'est-ce que je peux l'avoir? Ça a l'air très sale, tu ne devrais pas. Des équipements. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je ne sais pas non plus. Maintenant j'ai quelqu'un à qui faire des répliques, quoi. Mais à quoi il va me servir? Il me suit là, c'est malsain, monsieur. Tiens, ça ne s'ouvre pas. Ah oui, j'ai pas fait toutes les portes ici, on est au deuxième étage. Tiens, c'est encore une salle de bain pour femmes. Oh mince, mais il y a plein de pièces, il y a trop de pièces dans ce jeu. Mon dieu, mais c'est un truc pour faire de l'IRM ça, ou je sais pas quoi. Rien d'étrange à propos de ça, un lit tout à fait normal. Un moniteur d'électrocardiogramme. Ouh là là, je ne connais pas trop le langage médicinal alors. Il y a des choses, c'est trop dur à lire, je ne sais pas trop quoi. En fait, c'est juste les lampes au-dessus, ça doit pas être. Ouais. Je croyais que c'était un vrai engin qui était derrière le lit, mais en fait, c'est au-dessus. En fait, il n'y a rien ici. Je sens bien que c'est des pièces parfaitement vides qui ne servent à rien. Ça fait des sons ultrasoniques ou je ne sais quoi. On s'en fout, au revoir. Mais c'est toutes les mêmes salles! Et je vous préviens, s'il y a une salle qui est différente que les autres. Je pète un câble. Escalier de secours, on s'en fout. À mon avis, il va y avoir quelque chose à faire là-dedans. Attendez, que je relise vite fait les indices. Non, bon, en fait, je sais pas. Puis l'ascenseur ne s'ouvre pas. Là, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est The Men's Bathroom, on s'en fout. Ouh là là, le jeu a ramé une demi-seconde. Là, on a trouvé Fluffy. Bon, montons au troisième étage. Tiens, là, il y a un téléphone. Il y a quelque chose dans le truc où on met les pièces, je crois que c'est ça. Ou plutôt là où on récupère la monnaie. Et donc c'était la pièce F. C'était donc Give me a call. Ah, et là je wash my hand. Ah, j'ai vraiment soif, est-ce que je peux boire? Non, l'eau n'est pas bonne. Mais il n'y a pas de pièces dedans là? Là je me lave bien les mains, non? Oh, il y a un truc jaune et ça sent pas très bon. Ah, ça pue! Ouais. C'est exactement les mêmes dialogues pour les trois urinoirs. Cet endroit est dégueulasse. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a rien ici, quoi. C'est impossible. J'utilise une clé dans les toilettes. Génial. C'est fermé. Mon avis, il doit y en avoir un où il y a une pièce dedans. Ah, il y a quelque chose. La pièce A. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a eu un flashbang? Monsieur David, je dois faire pipi. D'accord. Ici, c'est la salle des pour les femmes et il faut que tu ailles dans celle des hommes. Mais je ne sais pas si la chasse d'eau va marcher. Ok, je vais attendre ici. Tu peux y aller toi-même, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je serai bon. Traduction littérale.
Hey Fluffy, est-ce que ça va? Je fais pipi, attends. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Fluffy? Sors! Sors, sors! Je ne peux pas ouvrir la porte! Il a dépassé le temps imparti, c'est comme dans Fort Boyard, la porte est fermée maintenant. Quoi? Ça ne s'ouvre vraiment pas. Est-ce que la porte s'est juste cassée ou quoi? Monsieur David, je ne peux pas sortir. Je vais être coincé ici pour toujours. Ça va aller, Fluffy. Je vais te sortir de là. Donne-moi juste une seconde. Eh, hey, mais je peux peut-être utiliser le marteau, non? Attendez, on va sauvegarder. Ça me fait presque de la peine pour lui. Attendez, moi je vais aller chercher le marteau. Là, ouais. Mais prends le marteau, pourquoi il prend pas le marteau? Monsieur, il est méchant. Bon bah c'est pas pour ça alors. Bon bah je vais continuer d'explorer le jeu sans Fluffy, hein, ma foi. Hop, c'est pas là. Oh, il pleure, j'ai pas envie d'entendre ça. Dépêchons-nous vite d'analyser ce... Oh, mais là, il y a un truc par terre, là. C'est un petit peu endommagé, il y a des fragments de béton sur le sol. Eh, hey, peut-être que si je casse... Quoi? Peut-être que si je casse ce mur un peu plus, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais utiliser? Bah, je sais pas, peut-être le marteau? Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Et je pourrais peut-être faire le tour pour secourir Fluffy. Tiens, on va aller chercher le marteau. J'espère que le fait d'avoir lu le truc... Attendez, sauvegarde. Et ben voilà. Ouais, j'ai un marteau. Je marche exactement à la même vitesse qu'avant, donc j'aurais pu le prendre depuis le début. La 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 la. Fluffy! 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 Fluffy, attends-moi! Oui! Oui! Ah, faut que j'utilise vraiment mon marteau en plus! Fluffy, écarte-toi du mur! Je vais le casser! Fluffy a disparu! Fluffy, il est là! Fluffy, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui est arrivé? Non, ne t'approche pas de moi, j'ai peur! Fluffy, tout va bien, c'est moi, David. Mais... Monsieur David? Ouah! Fluffy, est-ce que ça va? Est-ce que tu as mal? Sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé? Ouah, j'attendais Monsieur David et alors... Je suis tourné, il y avait un monsieur et il a essayé de m'attraper. Un homme, Fluffy, à quoi ressemblait-il? Son cou était tout, voilà. Enfin, à mon avis, c'est l'homme tordu, et il souriait, et il m'a regardé, et il m'a dit... Je t'ai trouvé. Et j'avais tellement peur, et je me suis caché là. Un homme avec un cou tordu? C'est lui. Pourquoi est-ce qu'il m'a suivi aussi ici? Flûte, pourquoi Fluffy et pas moi? J'avais tellement peur. Ça va aller maintenant, Fluffy. You did good for yourself. Tu t'es bien débrouillé. Je suis fier de toi. S'il est là, alors je ne peux pas laisser Fluffy ici. Je dois l'emmener à la police. Fluffy, nous devrions aller voir monsieur le policier. C'est trop sombre et dangereux ici. Je vais t'emmener là-bas. Tout ira bien. Non, je veux rester avec monsieur David. Je vais attendre maman. Fluffy, ne sois pas égoïste. Je suis sûr que ta maman va aller à la police aussi. Alors... Non, maman m'a dit de rester ici. Alors je sais qu'elle va venir me chercher là. Et je vais l'attendre ici parce que je suis un vrai dur. Fluffy. Si je ne peux pas le trouver ici bientôt, et si la maman de Fluffy ne se montre pas, alors je devrais l'emmener à la police. Fluffy n'aimera pas ça, bien sûr. Ça devient vraiment compliqué. J'espère qu'elle se montrera. Ok, Fluffy. On va attendre ici un petit peu plus longtemps, d'accord? Ta maman viendra, je le sais. Alors, ne pleure pas. Tu es un grand garçon, n'est-ce pas? Ne me dis pas...
Dont-elle, maman ? Ne dis pas, maman, que j'ai pleuré. Maman déteste quand je pleure. Elle deviendrait folle. Je ne dirai rien. C'est une promesse entre hommes. Maintenant, allons-y. Ok. Oh, ben dis donc, quelle séquence ! Les toilettes sont toujours vides. L'homme tordu... Ah oui, ok, il y a un cafard. L'homme tordu est dans l'hôpital. C'est incroyable. Ah, et donc là, j'ai cassé le passage, c'est cool. Bon, on va arrêter cet épisode-là. Voilà, donc rendez-vous là-bas pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et ben, à plus !